On est parti aujourd'hui, Nobo, pour un cache-cache Poucave Challenge. 14 abonnés sont partis se cacher, ils ont eu 2 minutes. Le but du cache-cache Poucave est très simple, si on trouve quelqu'un, il a le droit de Poucave quelqu'un, et s'il arrive à Poucave, il a la vie sauve, et le Poucavé meurt tout simplement. Je parle avec des mots qui n'existent pas, Nobo, mais c'est pas grave, on apprécie fortement. Est-ce que tu es prêt, Nobo, ou pas? Bien sûr, je suis prêt, par contre, il y a vraiment quelque chose que je déteste le plus au monde, c'est les Poucaves. Moi, je les aime pas du tout. Oh, d'accord. Je viens d'arriver sur la map, gros, j'ai eu peur. T'as sauté? T'es où? Coucou! Coucou Nobo! Attends, il y a une lampe de poche. Tes yeux, ils sont magnifiques. Y a pas de temps à perdre là, Nobo. Il faut qu'on trouve les 14 abonnés le plus rapidement possible. Et il faut qu'on reste ensemble. Oh, regarde! Y a un marchand de glace ici. Tu peux avoir une glace à la tortue? Quoi? Attends, une glace à la tortue? Gros, mais non, mais mange pas de la glace à la tortue comme ça, gros. Moi j'adore la glace à la tortue, c'est vraiment bon. Alors, est-ce qu'il y a un abonné qui se cache par ici, gros? Oh, ici! Sûrement un office là-dedans, dans le marécage ici. Mais gros, ça fait peur, on est sur le thème d'Halloween, gros. Regarde ton manier. Imagine un alligator sort et nous mange tout simplement. Me parle pas d'alligator, Nobo, je rigole même pas. Y'a un toboggan pour araignée géante. Où ça? Oh! Là! Et attends, tu penses qu'il y a moyen de rentrer dans le toboggan? Non. Gros, si franchement on peut faire ça, je fais ça toute la journée. Ouh. Ou alors imagine, il y a quelqu'un qui se cache dans le toboggan, gros. T'es prêt, Nobo? Viens avec moi. J'arrive, je suis là. 2, 1, vas-y, viens. Non. Oh, ça glisse. Oh, glisse dans le toboggan. Oh, il y avait un personnage. Mais gros, c'est trop bien. Attends, mais comment ça se fait qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un là? Ici, putain. Oh, il y a une grotte ici. Nobo. Non. Oh. Une grotte. Oh, il y a un trou. Où ça? Gros, viens voir. Oh. Y'a peut-être plus quelqu'un ici. Mais gros, y'a personne. What? Mais go, comment ça se fait qu'on trouve personne là? Jean-Fils, c'est sûr que t'as des abonnés qui sont cachés là parce que... Je peux t'assurer, Nobo, que des abonnés sont cachés. Bah viens ici, je suis sûr ici, regarde, y'a une grosse araignée sur le toit là. D'office, y'a quelqu'un ici. Il s'est dit, vas-y, comme Jean-Fils a peur des araignées, je vais me mettre ici comme ça. J'ai... Oh. Oh, attends. Gros. Oh, ici peut-être. Alors? Non. Oh. Oh oui, Nobo. Viens ici, j'ai trouvé quelqu'un. Il était trop bien caché. Thibaut, ça fait quoi de se faire trouver là en premier? Ah, ça fait bizarre quoi. Ça fait bizarre, donc là ton but c'est d'essayer de poucave. Est-ce que tu veux poucave quelqu'un ou pas? Bah ouais. Bah ouais, logique, mais le problème c'est Est-ce que t'as vu quelqu'un? Ah non, du tout. Ah mais ça c'est le problème. Si tu veux poucave, tu as 10 secondes pour trouver quelqu'un et tu la vie sauve. 3, 2, 1, c'est parti, bonne chance. Tu as exactement 10 secondes pour poucaver quelqu'un, mais ça va être difficile en sachant que... Oh, regarde, il trace hein. Allez, attention, il court, 7. Il court. Mais de toute façon, il a vu personne. Non, 5, il veut juste... 4, il veut faire un tour de toboggan avant de mourir. Il veut faire un tour de toboggan. 3. Ah oh. Il s'est raté, gros, il s'est fail. Bon ben... Désolé Thibaut, mais au revoir. Tu es le premier décédé aujourd'hui. Jean-Fils, tu crois que je pourrais les trouver plus rapidement en étant sur le dos de mon araignée? Non, et depuis quand les araignées ça a 4 œils, 4 yeux? Je sais pas, j'arrive toujours pas à savoir si ça en a 4 ou 8 ou 2. Ça a combien Dieu les amis les araignées? Dites-le moi dans l'espace commentaire, comme ça vous allez m'apprendre des choses. Bon Nobo, t'as pas une petite idée? Parce que là, gros, moi je suis content, on a réussi à trouver un abonné, mais c'est un seul abonné sur 14, gros. Mais comment ça se fait qu'on galère autant? C'est incroyable, il y avait une cage à épouvantail ici, mais pas du tout, c'est pas du une tout la cage. Oh, ce que t'es passé, fils. Ça aurait été une bonne cachette. Ici, il y avait une bonne cachette, mais malheureusement, personne ne s'est caché dans les toilettes. Gros, je te jure. Non. Gros. Quoi? Je dois aller aux toilettes. Non. Bon, ferme la porte alors, c'est bon. C'est bon. Ok, attends, je lâche tout, hein. Oh non. Oh gros, tu dégoûtes. Gros. Quoi? J'ai vu un truc dépasser. Quoi? Non. Ici. Où? Oh. Oh Nobo, on a trouvé quelqu'un. C'est qui? C'est tout simplement Bad Club. Bon du coup, Badass Club, est-ce que tu veux poucave quelqu'un là? Oh oui. Alors tu as exactement 10 secondes pour trouver quelqu'un. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, il a pas cherché, il a pas bougé ton nom. Gros. Mais non. Mais non. Oh mais non, il y a un lézard. Il y a un lézard se cacher juste là, c'est pas vrai. Non, le pauvre. C'était quoi son nom? C'était tout simplement Didi Mystery. Mais c'est pas possible, faut pas se cacher à côté de quelqu'un. Bon, mais Badass Club, heureusement pour toi, tu peux partir te cacher. Tu as exactement 30 secondes. Sinon toi, Didi Mystery, désolé, mais
Au revoir. Oh non. Mais bon, vraiment, je suis triste, c'était trop beau ce lézard. J'avoue, mais il s'est fait poucave, et quand tu te fais poucave, tu n'as aucune chance. Et c'est ça la particularité, justement, avec ce cache-cache poucave, les amis, c'est que faut se cacher des chercheurs, et aussi faut se cacher de ceux qui se cachent, en fait, tout simplement. Bon, en vrai, c'était pas une très bonne cachette, hein. Didi Mystery, tu es très mauvais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ok, ici, dans le lac, ici, je ne pense pas... Oh, dans le lac. Il y a un trou. Attends, je fais une pénétration latérale. Non. Tu n'arrives pas. C'est bien malheureux, ça, Nobo. Faut bien vérifier partout, hein, Nobo. N'oublie pas que... Oh. D'office, il y a des gens qui se cachent là. Là, je suis sûr, t'as un mec à bien 10 mètres de nous. C'est sûr. Oh. Gros, il y a des marécages et tout. Il va bien se cacher. Gros, quoi? J'ai cru que c'était un abonné, gros. Gros, c'est un abonné. Ah non, c'est un épouvantail. C'est un épouvantail, challenge. Gros, la sorcière dans le chaudron, dans son chaudron, la sorcière. Moi. Imagine, t'as un abonné, en fait, c'est un abonné depuis tout à l'heure, il essaie de nous faire peur. Une forêt de bambou hantée, il y a d'office quelqu'un là-dedans. Une forêt de bambou hantée? Attends, ici, on peut pas plonger ici, malheureusement. Je vois des visages. Non, je vois Zedrox, c'est bon, regarde. Quoi? Il y a Zedrox. Ah, t'as trouvé quelqu'un? Ouais, regarde. Oh, mais non, bon, c'est à la main. T'es sérieux, j'avais gros? J'avais pas vu. Mais t'es vraiment l'abruti. Bah attends, comment ça se fait qu'on galère? À mon avis, on a même pas encore rentré aussi dans le manoir. Du coup, à mon avis, ils doivent tous être cachés dans le manoir, Nobo. Ça te dit qu'on rentre dans le manoir ou pas? Oui, parce que mais bon, j'ai un peu peur d'y rentrer. Surtout qu'il y a, je sais pas si t'as vu, mais il y a un match de tennis d'araignée juste ici. Bah oui, j'ai vu. C'était un match de tennis d'araignée. C'est très 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 effrayant. Vas-y, Nobo, vas-y, on rentre par la porte d'entrée et je suis sûr on va trouver des gens. Je suis sûr. Attends, il reste encore 11 personnes en vie, mais what? Attention. Oh là, regarde, Nobo, il y a des portes ouvertes. Non. Gros, ils sont d'office ici, quelque part. Oh, attends, on est dans le garage. Gros. Ah, Jean-Fils. Oui, t'as trouvé quelqu'un? Une porte ouverte. Il y a quelqu'un ici. Oh, trouvé. Ah, oh. Quoique. Ah, bah non. Mais attends, mais ils sont bien cachés en fait, c'est pas possible. Oh, attends, est-ce qu'on peut passer par là? Oh, viens ici. Oh, j'ai trouvé quelque chose, Nobo. J'ai trouvé quelque chose. Non, j'arrive. Attends, parce que je suis trop gros. Oh, fais gaffe, hein, il y a des chauves-souris, les mange pas, hein, quand même. Faudrait pas que tu les manges. Attends, est-ce que quelqu'un se cache par ici? Oh, Garde. Gros, il était trop bien caché, il a les mêmes couleurs qu'ici, gros. Oh, j'avoue, gros. Attends, c'est qui se cache ici? C'est Pires. Pires, ça fait quoi de se faire trouver? Bah, un peu le seum, en voyant. Ah, t'as le seum, mais t'étais pas bien caché, malgré le fait que, franchement... En vrai, c'était une bonne cachette, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que tu souhaites poucave quelqu'un ou pas? Oui, même si je sais pas trop où ils sont. Oh, on va essayer. Tu vas essayer, et c'est le principal. Attention, tu as 11 secondes. 11 secondes pour chercher quelqu'un. C'est parti, 32, let's go. Jean-Fils, si tu trouves personne, est-ce que j'ai le droit de le manger tout cru? Oui, tu as le droit de manger sa tête d'hamburger, ça c'est sûr et certain. Attention, non, je ne mérite pas ça. Ah, il ne mérite pas ça. Attends, fais gaffe, hein, parce qu'il pourrait s'enfuir. Hein. Allez, encore 5 secondes, 5. 4! Oh, il tremble! 3! 2! 1! Je peux le manger! Stop! Y'a pas de poucave qui tienne aujourd'hui, Nobo, tu peux le manger tout cru! Miam miam! Tout cru! Ouais, t'étais vite, hein, c'était un beau creux ça! Bon bah, désolé, Pires! Attends, Nobo, là on était dans le garage d'office, y'a des gens en haut, non? Bah, d'office, vu que j'ai vu qu'il y avait plusieurs étages en plus, donc ils doivent d'office se cacher dans la maison, c'est certain! Ah oui! Oh là là! Mais moi j'ai peur, hein, parce que c'est une map au thème Halloween! Oh, peut-être dans la cheminée, quelqu'un se cache dans la cheminée? Pas du tout! Non. Non, pas du tout. Non. Mais attends, Nobo, tu sais que là, on vient d'éliminer 4 personnes. Il reste 10 personnes en vie, Nobo. Mais gros, comment on va faire? Ils sont trop forts. C'est ma femme. C'est une sorcière qui fait caca. Quoi? C'est ta femme? Sorcière qui fait caca? Gros, c'est... Enchanté, femme à Nobo. Par contre, voilà, c'est ma sorcière. Attends, c'est étrange parce que la porte était ouverte. Donc, je ne sais pas quoi en penser de ça. Ah, c'est des petits coquins, ils ont ouvert les portes et tout pour nous faire des fausses pistes. Regarde, dans la télé? T'as quelqu'un qui se cache? Oh, mais non. L'écran plat? Non. Pas, pas, ça aurait été une bonne cachette, regarde, tu me vois là si je fais comme ça, regarde. Attends, j'ai cru qu'il y avait un abonné aussi dans le fauteuil. Attends. Regarde, attends, si je suis à la télé, tu me vois, regarde, ça aurait été une bonne cachette, non? Ah, je vois tes pieds, tes pattes, hein, Nobo. Ah, d'accord, oui.
Je sais pas trop quoi en penser de cette cachette TV télévision challenge. Par contre, attends, on galère là. Comment ça se fait, Nobo, qu'on galère autant? En même temps, c'est toutes les chauves-souris qui nous bousillent la vision. Je n'arrive à rien à voir. Vas-y, Nobo, tu me suis, tu suis? Là, je suis sûr à trouver. Je te suis. Gros, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont quitté leur droit, c'est pas possible. Ils ont pris un avion, je sais pas. Mais gros, j'avoue, ils ont pris un avion, le premier avion. Mouah. C'est pas possible qu'on trouve personne là, ils sont trop forts nos abonnés. Oh. Oh. Attends. C'est ouvert. Nobo, regarde. Nobo, un rideau. Moi je suis sûr qu'il y a quelqu'un derrière. Oh, oh non. Dans la baignoire. On te fait un bain? Non merci. Oh, attends. Oh. Gros. Oh, c'est dommage parce que c'était une bonne cachette. Qu'est-ce qu'il y a, Nobo? Mais gros. Non, ici c'était vraiment une trop bonne cachette, y'a personne ici. Mais what? C'est quoi cette cachette? D'où on trouve personne? Mais c'est pas possible, attends, je comprends pas. Oh! Il m'a fait peur lui au-dessus du placard. Il y a la montée vers le grenier ultime de la mort qui tue challenge d'office, y'a quelqu'un ici. Oh oui, on est dans le grenier, là. Mais attends. Comment ça on ne trouve personne? Là. Mais quoi? Gros, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Oh, y'a une salle de cinéma. Une boîte de nuit. Une salle de cinéma. Oh! Nobo. Gros. T'es avec moi? Regarde. Mais attends, on a fouillé toute la maison, comment ça se fait qu'on trouve personne? C'est pas possible. Gros, c'est pas possible. Mais non, c'est incroyable. Gros, c'est quoi ces abonnés cacheurs de l'île Timmons? J'avoue que mes abonnés sont forts en cache-cache. Ici, c'était ouvert. Ouais. Ici, y a quelqu'un qui se cache, c'est sûr. Vérifiez bien dans la baignoire. Ok. Oh! Moi, il est effrayant ce nounours là. Un nounours citrouille. Eh, en vrai, ils sont trop forts. Je suis désolé, mais je me répète, mais attends. Gros, c'est pourquoi ils sont si forts? Parce que c'est les abonnés de Jean-Fils, ils ont mis le code Jean-Fils tout simplement. Oh oui, code créateur Jean-Fils dans la boutique Fortnite. Attends, est-ce qu'il y a moyen de se cacher là derrière? Oh! Quoi? Gros, imagine quelqu'un. Imagine quelqu'un se cacher ici. Mais comment ça se fait? On trouve des cachettes de fou, mais si on n'arrive même pas à les trouver avec ces cachettes de fou, ils doivent vraiment avoir des cachettes de fou. Ultime de la mort qui tue challenge, mes abonnés. Gros, on a pas encore fait le premier étage par contre. Viens, au premier étage. Nobo. Quoi? Non, Nobo. Gros, on l'avait loupé depuis tout à l'heure. On est passé, je sais pas combien de fois devant la personne juste ici. Oh là là. Bon, alors c'est qui? C'est tout simplement Space 12. Alors, magnifique chevaleresse, est-ce que tu souhaites poucave quelqu'un ou pas? Oh oui, elle le veut. Elle le veut. Allez, c'est parti, tu as 10 secondes pour les poucaves. Oh. Nobo, tu penses qu'elle va réussir à trouver quelque chose? Ça se voit qu'elle a le naso. Regarde, un naso renifleur. Naso renifleur de goût. C'est le goût. Attention. Allez, 5 secondes. Ça va trouver personne. 4. Oh non, elle va. 3, 2, 1. Dernier 1. C'est fini. Il n'a pas réussi. Un poucave quelqu'un. Nobo. Oh, il est pas content. Pas content. Nobo, tu le tues? Je m'en occupe. 3, 2, 1. Au revoir, c'est terminé pour toi. Oh, c'est bien dommage parce que, mec, on est passé je sais pas combien de fois devant la personne et c'est seulement maintenant qu'on la trouve. Il reste actuellement 9 personnes cachées. Bon, je pense qu'on a visité un peu tout au niveau de la maison. C'est bizarre parce qu'on a trouvé que 2 personnes dans la maison. À mon avis, ils doivent se cacher à l'extérieur. Nobo, on n'a pas assez bien vérifié. Vas-y, je te suis. T'as une idée de ce qu'ils pourraient se cacher ou pas là? Franchement, je te jure, je ne pensais pas que ça soit autant galère, la vérité. La dernière fois que j'avais fait un cache-cache poucave, ça a été avec Valouze. Et je viens de trouver quelqu'un. Oh là 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 là. Incroyable. Et t'es trop bien caché, c'est Black Panther? J'avoue. Non, c'est Monsieur Pain. D'ailleurs, les amis, si toi aussi tu as déjà mangé du pain dans ta vie, tu peux mettre un pouce bleu, n'est-ce pas, Nobo? Oui, et aussi si t'as déjà bu de l'eau. Regarde, en plus, cette petite danse, tu trouves pas que je danse bien avec la personne qui a été trouvée? J'avoue, mais le problème, c'est que Monsieur Pain va devoir poucave quelqu'un. Alors, Monsieur Pain, ça fait quoi de se faire trouver? Bah, ça fait mal, écoute, j'ai le seum. Ça fait mal? C'est un homme déçu, je pense. Tu as 10 secondes exactement à partir de maintenant pour calmer quelqu'un. Nobo, tu penses qu'il a une chance? Je pense qu'il a aucune chance. En plus, j'essaie d'attraper sa petite queue qui pend. Regarde. Mais non, arrête de faire ça, gros. T'es sérieux, gros? Allez, encore 5 secondes. Il est où? Oh, what? 4, 3, 2, 1. Non. Il est en gaz. Stop. On bouge plus. C'est fini. Bah, désolé à toi, Monsieur Pain, mais... Bye bye. Merci pour ta participation. Bon, Nobo, ça fait plaisir. On va quand même de trouver quelqu'un en plus. Ici, on n'avait pas vraiment beaucoup vérifié par ici, Nobo. Qu'est-ce que t'en penses? On n'avait pas beaucoup vérifié. Oui, mais Nobo, j'ai trouvé quelqu'un. Elle était là depuis tout à l'heure.
Nobo. Oh, le chaperon rouge. Le chaperon rouge. Tu te souviens de l'hamburger, gros? Qu'on avait trouvé là-bas et qu'il n'avait trouvé personne. Il aurait pu trouver le chaperon rouge et survivre. Exactement. Attention, c'est quoi son pseudo? C'est Skyrancer. Skyrancer, ça fait quoi de se faire trouver? Ah ben, c'est dommage parce que ma cachette était bête, mais apparemment ça a bien fonctionné. J'avoue, on est passé à côté de toi. Je pense que c'est la même chose pour certains d'entre vous. Mais malheureusement, tu t'es fait attraper. Mais attention, il est encore possible que tu aies la vie sauve si tu arrives à poucave quelqu'un dans les 10 secondes. 3, 2, 1, c'est parti! Let's go! Attention, attention. Il connaît quelqu'un, gros? Il connaît quelqu'un? Non, non, attends. Oh, désolé, je l'ai bloqué. Tu le bloques, vas-y! Attends, il trouve quelqu'un. Ici, là! Quoi? Quoi? Non! Il a trouvé quelqu'un! Il a... Oh, non, ouais, bro! Mais bien joué, petit chaperon rouge. Tu peux repartir te cacher. Oh là là! Moi! Nobo. Trop fort le chaperon rouge, vraiment super fort de la Mortitude Challenge. Même le mais il était pas passé par ici l'hamburger. Je sais pas, attends parce que je suis coincé dans les trésors, attends. Je te vois l'éviter, mais en fait même la personne ici elle est coincée, gros, elle peut rien faire, gros, elle est bloquée, c'est une personne bloquée. À mon avis, elle savait qu'elle allait se faire trouver parce que sa cachette était moyenne, je trouve. Moyenne, je peux même pas savoir c'est qui, bon désolé, mais quoi? Attends, on peut même pas la tuer. Ah, c'est bon. Ah, c'était Nono. Nono, désolé à toi et merci pour ta participation. Oh, Nobo, ça fait plaisir. On vient enfin de trouver quelqu'un. Mais le problème, c'est que quelqu'un vient de s'enfuir. Quelqu'un reste à Poucave et ça c'est pas bon pour nous. Oui, parce qu'il va falloir la rechercher dans toute la maison et ça vraiment c'est pas chouette. Bon, on est d'accord, Nobo, c'est fini. Il y a plus personne ici dans cette pièce, hein. On espère. Bon, je pense qu'on peut la clôturer. On peut mettre des barricades, tout. C'est fini. Exactement. Vas-y, aide-moi à mettre des barricades. Hop, hop. Ouais. Voilà. Vrai, il y avait 3 personnes dans cet endroit-là. Il était trop bien, gros. Franchement, moi je trouve c'est le meilleur endroit qu'on ait vu. Nobo, t'es sûr qu'on a bien vérifié au terrain ou pas là? Il y a un terrain de basket ici. Je sais pas. T'as vu? Le terrain de basket, ouais, bah, à part une araignée géante, une sorcière géante édentée, c'est tout ce que je vois. Hein. Édentée, il y a même du sang, gros. Gros, tu penses qu'elle mange quoi au petit déjeuner, la sorcière édentée? Je pense qu'elle mange des bons gros singes tout au petit déjeuner. Des singes de challenge. Ouh, attention. Moi, Nobo, j'ai envie de te dire, j'ai envie de lancer un petit concours de challenge. Donc, moi, je dis, en fait, un concours de dans l'espace commentaire. Celui qui fera le meilleur dans l'espace commentaire, je mettrai un petit cœur à son commentaire. C'est une bonne idée, ça. Ah, c'est moi qui vais gagner. Quoi? Moi, je suis le meilleur. Regarde. T'es sûr, gros? Je suis meilleur, genre. Oh, il était beau aussi. Oh là là, comment ça se fait qu'on galère à trouver des gens là? C'est pas possible, Nobo! Mais gros, c'est incroyable, je sais pas du tout où ils sont, à mon avis, oui. C'est des hommes forts, challenge. Nobo, regarde, il y a le bus de Fortnite ici. Oh, c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Voilà pourquoi on les trouve pas depuis tout à l'heure. Ah, ils sont à l'intérieur, non? Non. Tu penses qu'ils s'échappent? Ah, c'est possible. Mais oui, ils s'échappent petit à petit et du coup, bah, on les trouve pas, tout simplement. Oh, vrai, c'est non, ça, hein. C'est pas bon. Mais non, mais attends, c'est vraiment galère, c'est pas possible. Gros, non! Non, gros, il est trop bien caché en fait. Il est trop bien caché. Gros, j'ai trouvé quelqu'un en dessous du pont. Je suis là. Regarde, t'es où? Je vois. Oh, non. Oh, c'est un zombie en plus. Moi, il fait peur, lui, par contre. C'est quoi, toi, ton pseudo? C'est annotation. Petit zombie, as-tu l'envie de poucave quelqu'un? Oui ou non? Oui, il a envie. Il dit oui. Mais en fait, le problème, Nobo, c'est moins il y a des gens qui se cachent, plus c'est difficile de poucave des gens, j'avoue. Hein. Oui, mais Jean-Fils, attention, parce que s'il dit oui, tu trembles. Attention, il dit oui ou pas? Oh, il dit oui! Oh, tu trembles! Oh, arrête ça! Stop. Ouh, c'est difficile. Ah, 3, 2, 1, c'est parti! Tu peux aller poucave quelqu'un. Et c'est parti, il a 10 secondes, Nobo, tu comptes ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh non, le pauvre. 9. Oh non, le pauvre. 10. Stop. Non, non, le pauvre Nobo. Je te laisse faire l'acte. Ok, pour toi, c'est fini. Bonne continuation. Pef. Merci pour ta participation. D'ailleurs, les amis, si tu souhaites faire des cache-cache du genre dans le futur, il suffit de rejoindre mon Discord qui est dans la description de cette vidéo. Je compte sur vous. Nobo, en vrai, ça fait plaisir de jouer avec des abonnés, non?
Ça fait vraiment super plaisir, vraiment c'est les meilleurs abonnés du monde en plus de ça, donc Exactement, on n'attend plus que vous sur le Discord. Bon, on est déjà passé par ici, mais je me demande si... Oh, non, vraiment, je suis sûr, on est passé à côté de tellement de personnes, Nobo, parce qu'on a... On a fait toute la map, gros. Je suis sûr qu'on a senti leurs odeurs, qu'on a... Ils étaient là, ils nous regardaient, rigolaient derrière nous, et on les a pas croisés, c'est quand même incroyable. Moi, je trouve, personnellement... C'est vraiment des petites ripouilles, hein. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas tes abonnés, ça ? Non, c'est pas un de mes abonnés, gros. C'est juste une statue d'ours. Qu'est-ce que tu me fais dire, toi ? Gros. Quoi ? Là. Non ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Attends. Gros, non. Il y avait quelqu'un caché là ? Par... Mais comment il a fait pour se bloquer ? Mais gros, on est passé à côté tout à l'heure. Comment il faisait pour respirer depuis tout à l'heure ici? Mais attends, mais j'avoue, je sais pas comment il faisait pour respirer. Mais t'es où, Nobo? Je te vois même plus. Je suis là, j'ai envie. Eh, hey, attends, sur ta tête. Attends, parce qu'il est parti se cacher. Attends, il est là. Oh, attends, c'est... Alors, tu t'es fait trouver. Ça fait quoi de se faire trouver? J'avoue, j'ai un peu le seum parce qu'au début, j'étais content parce que t'es passé à côté, mais tu m'as raté. Ah oui, mais on a eu l'intelligence de repasser par là. Est-ce que tu es chaud pour poucave quelqu'un ou pas? Ouais, je vais essayer. Ok, tu as 10 secondes pour poucave quelqu'un. Nobo, est-ce que tu as en confiance en lui ou pas? Non, parce que regarde, il a des talons, donc il va pas pouvoir courir vite. 3, 2, 1, c'est parti, challenge. Oh là 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 là. Je me demande s'il a une idée d'où est-ce que quelqu'un pourrait se cacher. Allez, plus que 7 secondes. J'avoue que c'est le stress. Moi, je l'attrape la patte pour qu'il attrape personne. Non, oh, si, attention, il a trouvé quelqu'un? Non, il a trouvé personne? Alors encore 3 secondes, 3, 2, 1, 0,5, 0,2, stop, oh là là, stop. Au revoir, non. Et merci pour ta participation. Non, pour sa tête, oh, il a pas réussi à poucave quelqu'un, il reste actuellement 5 personnes dans la compétition, Nobo. Du coup, bonne chance à tous ceux qui restent, et plus, hein. Merci à toi, ça fait plaisir. J'en ai un. Quoi ? Non. J'en ai un. Non. J'en fiche, j'en ai un. Regarde-le. Mais c'est pas possible ! On est déjà passé par... Oh non, mais... c'est pas possible. DX Lano. DX Lano, ça fait quoi de se faire trouver ? J'ai le seum. Tu es un personnage qui est le seum challenge. As-tu envie de poucave quelqu'un ou pas ? Oui. Ok, il a envie de poucave quelqu'un. Nobo, je te laisse continuer. 3, 2, 1, c'est parti, c'est à toi. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de seum aujourd'hui, Jean-Fils. Ils disent tous j'ai le seum. Beaucoup de seum challenge. Oh, par contre, la personne a difficile à grimper challenge, Nobo. Mais pour ça, il fallait faire du sport, tout simplement. Ah oui. Allez, il reste 5 secondes. 5 secondes pour trouver quelqu'un. Mais en fait, il a aucune chance. Il a aucune chance d'avance. On est déjà passé par là, Xlano. On est déjà passé. On connaît le chemin. C'est fini. Attends, avant ton décès, as-tu envie de dire un mot de la fin ou pas? Code Jean-Fils. Oh, code Jean-Fils, code créateur Jean-Fils, c'est magnifique. Merci, mais... Au revoir. Allez, mais j'ai cru entendre quelqu'un dans la maison. C'est encore 4 à trouver, gros. 4 nains qui se cachent par ici, quoi. Oh ! Oh ! Nobo, quoi ? Non, j'ai trouvé. T'es où ? Oh non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! J'ai marché sur sa tête ! Gros, t'es où ? Nobo, c'est incroyable. Je tire, tu me vois. Oh non, il pleure, le pauvre. Ah, oh, c'est lui-là. Nobo, au-dessus de toi. Hey. Ah, il était caché sur une araignée géante. Mais gros, cachette de fou. Et c'est zéro cool. Zéro cool, ça fait quoi de se faire trouver ou... Ah, je suis un peu dégoûté. T'as vu la cachette? Ouais, hey, franchement, en plus, j'ai marché sur ta tête, non? Ouais, t'es passé 2 fois avec ton grappin, là, j'ai eu peur, et puis finalement, voilà. Mais t'es tellement camouflé! Regarde, on te voit même pas, c'est quand même scandaleux! C'est incroyable, quoi, vraiment, c'est l'une des meilleures cachettes qu'on a eues depuis le début. Hein, bah, on en est pas encore sûr, peut-être, il y a encore 4 autres personnes qui se cachent. Nobo, ouais, j'ai peur pour la suite. Alors, Zero Cool, as-tu envie de poucave quelqu'un ou pas? Non, je sais où il y a quelqu'un, mais c'est mon fils. Donc je dirais rien. Quoi ? Non ! Et ça, franchement, c'est une attitude de papa magnifique quand même, on va pas se mentir. Oh, c'est beau. En tout cas, as-tu un mot de la fin à dire ou pas là ? Ah, bonne chance à tout le monde et code Jean-Fils. Yes, let's go ! Merci pour ta participation, en tout cas, mais c'est la fin pour toi. Bye bye. Nobo,
Il sait où se trouve son fils. Son fils se cache quelque part. Je suis sûr qu'il le voyait. Il l'est dans les parages. Du coup, Nabo, cherchons dans les parages. Heureusement que j'ai un grappin. J'avais pas bien utilisé le grappin, mais c'est le grappin qui m'a permis justement de trouver la personne en question juste ici. Au café, l'espèce de petit bar chalet comme ça. Ah oh, ouais, je te vois, je te vois. Viens. Non, viens voir que j'ai trouvé le chaperon rouge. Non, t'as trouvé quelqu'un? Arrête. Viens voir. Mais non. Oh, ça on est vraiment stupide, c'est pas possible. Bon bah du coup, chaperon rouge, deuxième fois qu'on te trouve. On va pas perdre de temps, je vais te poser une question très simple. As-tu envie de poucave quelqu'un ou pas? Allons, repoucave quelqu'un. Il est chaud. Ouais, peut-être qu'il... Et imagine, il trouve, gros. S'il trouve... Ce serait le deuxième, gros. Oh là là, il arrive à poucave deux personnes, ce serait juste incroyable. Allez, tu as 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Attends. 2... Qu'est-ce qu'il fait? Oh, gros, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve quelqu'un? C'est quoi? Il panique, il tremble. Gros. Gros. C'est incroyable. C'est une blague. Je trouve ça scandaleux. Attends, tu m'as dit que... Elle était cachée là depuis tout ce temps. C'est scandaleux. Oula, chaperon rouge, tu peux repartir te cacher. Bien joué à toi. Et on a malheureusement Bad Cups qui se fait poucaver. Bien joué à toi. Merci pour ta participation. Au revoir. Et puisse le sort vous être favorable. Let's go. Nabo, il ne reste plus que deux personnes en vie. Du coup, la chaperon rouge et quelqu'un d'autre. Moi, clairement, je serais ce quelqu'un d'autre. Je ferai très attention parce que je pense qu'on a la meilleure poucave de tous les temps. Oh, j'avoue. Par contre, j'avoue. Fais gaffe, chaperon rouge, je sais pas si tu nous entends. Mais si tu es le prochain à être trouvé, tu vas devoir poucave la dernière personne et peut-être la victoire. Gros, imagine, on retrouve le chaperon rouge. Et imagine, gros, il poucave la dernière personne, gros. Ça serait juste incroyable. Ce serait le coup de maître. Vainqueur avec 3 poucaves au total. Donc là, il reste plus que 2 personnes en vie, Nabo. Nabo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Fils? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé la chaperon rouge qui s'était cachée, attention, dans sa première cachette en pensant qu'on n'avait pas passé par là. Oh non. Mais non, mais gros, de nouveau, c'est incroyable quand même. T'arrives, ça l'avait dit, là, qu'elle allait peut-être faire ça. Skyrancer, trouver 3 fois, ça te fait quoi? Je m'y attendais pas. Ah oui, bah quand même, se cacher dans ta première cachette. Là, le souci, c'est que tu es en finale. Donc ça veut dire que tu as 10 secondes pour trouver la dernière personne. Si pendant ces 10 secondes, tu ne trouves personne, c'est toi qui meurs. Et tu seras tout simplement éliminé de ces parties. Est-ce que tu es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt. Ok, magnifique. Non, bon, allez, moi je dis, comme c'est la dernière personne que tu as poucave, t'as 15 secondes à la place de 10. Ou même 20 secondes. Nobo, t'acceptes ou pas? Ouais, 20 secondes, j'accepte. Mais par contre, il m'a l'air moins serein que les autres, en tout cas. J'avoue, allez, 15, 14, 10. Oh, il panique, regarde, il tremble. J'ai l'impression qu'il tremble. Oh. J'ai vu le burger quelque part. Le burger, je l'ai déjà mangé. 10, 9, 8. Il panique. 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Et attention, stop. C'est fini pour toi, petite chaperon rouge. As-tu un mot de la fin? Code Jean-Fils et bonne vidéo. Oh, let's go, les amis. N'oubliez pas le code Jean-Fils. Tout le monde le dit, donc c'est que ça marche. Bon, moi, je dis, j'ai pas envie de te tuer. J'ai tremblé. J'ai tremblé, Jean-Fils. J'ai tremblé. Il fallait pas le tuer. Il allait nous aider à trouver la dernière personne, Nobo. Ça s'appelle la tremblotine. Nobo, il est temps d'appeler la dernière personne. Allô? Oui? Oh, Nobo, t'entends? Nobo! Non! Allez, quelque part par ici. Fille! C'est une fille. Je la veux! T'allais où? Nobo, t'as pas une idée? Attends, mais c'est pas possible. Je vais la manger tout cru. Non, mais attends. Oh, mais c'est pas possible, gros. Où est la gagnante? Me dis pas qu'elle se cache là-dedans. Nobo, trouve-la! Là, je la trouve, je la renifle. Mais elle est introuvable, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Sachant. Oh! Quoi? Oh! My qu'est-ce qu'il y a? God, je l'ai trouvé. Nobo, je l'ai trouvé. Gros, elle est juste là, gros. C'est pas vrai, mais non. Regarde, attends, monte ta tête, squelette. Moi, ça fait peur,
Non, c'est pas vrai. Ce fut difficile pour trouver tout le monde, mais on a réussi à trouver tout le monde en compagnie de Nobo. Clique juste ici si tu veux voir une autre vidéo. Et juste là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et pour en parler, les amis, on se dit à la prochaine. Juste.